remporte haut la main les élections législatives du 30 juillet 2017. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail sans relâche. Les meetings, c'est bien, mais les porte-à-porte, les discussions avec nos voisins, avec tous les gens qui sont dans tous les coins des Ziguinchor, sont beaucoup plus importants. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Mais ce que j'aimerais dire par rapport à la venue du maître Abdelawad, le président Abdelawad, c'est un événement pour nous, Ziguinchor. Aujourd'hui, quand la coalition du PDS et d'autres de l'opposition met en avant ce parti de 93 ou 95 ans, je ne sais plus, c'est un signe de leur désarroi, c'est un signe de leur manque de programme, c'est un signe de leur perte et c'est un signe qu'ils n'ont pas d'alternative possible par rapport à la jeunesse sénégalaise. C'est comme si ils n'ont pas confiance à la jeunesse sénégalaise. C'est comme si, pour eux, les jeunes sénégalais ne servent à rien qu'applaudir et à grandir devant les chômeurs sénégalais. Ce soir, nous allons montrer au PDS que le plus important pour nous, c'est Ziguinchor. Ce n'est pas le parachutage d'un grand-père non-ingénieur. Ce n'est pas le fait que certains des jeunes du PDS ne savent plus à quel garde se vouer. Et préfère confier le décès à un homme du passé, également à un homme du passif. En 2012, nous nous sommes battus pour rien, pour écarter cet homme, ce danger du Seigneur. Rappelons-nous, et en fait sa campagne, il a dit, « Voilà nos farouls, n'y a rien de quelque chose au Seigneur. » Qui a plein les deux mêmes attaques de voyage sur l'arrière qui fait au Seigneur. Sénégal am dam, Ziguinchor am dam, Casamance am dam, Sénégal jëm kanam.